comprennent que l'on ne peut se taire devant toute cette violence gratuite et volontaire. Attention, le droit de servir la nation bénévolement et de continuer à se battre pour que les demandeurs d'asile aient un vrai statut. Ouais, ensuite, un hébergement, un hébergement pour tous. Ouais. Il commence à qualifier ça en exhibitionnisme sexuel. Il faut taper fort sur les Camilles. Mince, les Camilles ne se laissent pas faire. À partir sur un autre âge. C'est pas le procès d'Élise et Erwan, c'est le procès des Camille. Donc on va partir là. Donc il y a assez. Et puis du coup, la mise en place du site qui me semble important là maintenant pour commencer à. Voilà, pour diffuser l'information, c'est. Là il faut y aller. Donc il y a ces quatre choses-là. Mais peut-être qu'on devrait la ressortir, c'est ça, ce fichier-là, coller. Ah, mais je peux retirer ça. Il y a des choses qui ne sont plus faites parce qu'il n'y a plus d'hiver sur cette délégation-là. Très précisément, par exemple, tu vois, une belle réalisation d'Emmanuel, c'était le repas sans viande, enfin, tu vois, au niveau de la restauration scolaire. Ce risque. On sait qu'il y a déjà trop de conséquences pour les gens qui viennent après nous. Moi j'ai fini, je suis arrivée au bout de la route, presque. Mais il y a tous nos enfants, vos enfants, les enfants de ceux qui travaillent là-dedans, les militaires, les gens qui prennent les décisions partout à Paris et autour. Donc ça, il est vraiment temps qu'ils comprennent que eux aussi sont en danger. L'arme nucléaire est dangereuse, coûteuse, inutile. Pas le revenu de base qui fait la société, elle ouvre juste le possible. Et ce qu'on peut espérer, c'est que du coup, on choisisse vraiment notre société. Là, on ne choisit pas, on prend. À Toulouse, par exemple, distribue des sols violets pour permettre à des gens qui sont un petit peu exclus du circuit de circuit de consommation de consommer dans des réseaux un petit peu différents. Donc ça, c'est aussi une piste comme on essaye de qu'on a soumis aux collectivités territoriales. La seule ressource dont dispose l'association et la cotisation de ses adhérents, celle-ci a un montant minimum par catégorie de membres. Pour les particuliers, la cotisation est d'un minimum de 5 euros. Pour les associations, sans vente de prestations. Et à tout ça, à la poubelle, la rue, 85% des enfants sont malades, alors qu'il n'était que 15% avant l'accident. Centralisé, et quand on prend toute l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, on est sur le commissariat au plan,
donc qui décide arbitrairement de faire un Rotterdam aérien à l'époque, en fait, et qui le place comme ça, un peu au milieu, entre Nantes et Saint-Nazaire. Mais c'est-à-dire que c'est, dans les deux cas, une vision où on a un pouvoir politique central qui décide de quelque chose, en fait, quelque part, sans vraiment prendre en compte les particularités, en fait. Et on est pour recadrer sur le côté grand projet. Freedom fighter for the earth, freedom fighter air, freedom fighter for the earth, freedom fighter air. Là tout le monde s'est donné un cerveau, l'encre coule sous la plume de mon stylo. Ma principale armée, le micro, pour plus d'humanité et moins de mégalos. Je ne vais pas te redire et te refaire la même rengaine. L'écologie protège la terre, dans leur sphère le ministère leur grenelle. Les lobbies sont pas faits et ma mission est pour prêcher le naturel. La terre est si belle et ils se l'approprient. Prise de conscience, l'humain reste dans l'oubli. La place de l'homme en osmose avec la nature, pas dans leur système économique, leur culture pleine d'OGM. La vie de nos enfants sera dure, sera dur. Consommation d'aliments modifiés génétiquement, on sent ton fire. Pourquoi tu mens? Leur ministère donne bonne conscience, c'est un cœur blanc. Leur ministère donne bonne conscience, c'est un cœur blanc. Allez ensemble, Lazare! Freedom fight! C'est vraiment en finir avec la compétition. Tant qu'on sera sur la compétition, effectivement, si on veut que ça dure plus longtemps, un système basé sur la compétition, on peut mettre des limites, sinon ça se casse la gueule trop vite. Voilà. Mais pour moi, c'est ça le problème. Et le plaisir, quand on parle du plaisir, on peut avoir du plaisir sans avoir plus, pas avoir égal. Avoir ce qu'on a fait, son truc, sans se comparer aux autres. Ça m'est servi. Mais tu peux être comptoir de change sans être adhérent. Non, elle est adhérente. Oui. Comptoir de change, mais elle ne change, mais elle. Voilà. Oui. D'être dans un lieu ou pas, nos connexions les uns avec les autres, nous permet d'être ici et ailleurs, et aussi souvent un outil qui permet au service du développement de lieux dits tiers entre le lieu de travail, le lieu de personnel, le lieu social. Et du coup voilà, on a envie d'explorer ça. C'est aussi dans ce lieu-là, dans ce nœud-là, pardon, que la question de la mobilité qui a été pas mal explorée l'année dernière à travers la dynamique du vélo mobile va continuer à être exploré. Pratique et usage d'Internet, la culture d'Internet, d'où ça vient, d'où ça va, les idéologies qui sont aussi véhiculées dans Internet, liberté d'expression, neutralité du net. Donc ça peut donner lieu à chaque fois à des ateliers de discussion aussi sur qu'est-ce qui se fait actuellement en termes aussi de législation pour contrôler Internet, pour donner raison à Orwell ou éventuellement en faire un espace d'échange. Et puis en termes de... L'art n'est pas à l'échelle. Oui, ce qu'il y a une... On ne se voit pas à l'échelle en fait, il y a peut-être un peu de profondeur. Bah c'est... Peut-être qu'elle soit réglée, après ça peut se régler.
là, le trou, après, c'est pas gênant pour trouver une liste. Ouais, mais après, pour le trou fusionné, je fais chauffer avec un. Pourvu que ça soit nettoyé, comme faisait Mick Jagger, un doigt dans le cul en descendant au Ritz, et puis il mettait des virgules de merde comme ça en descendant les escaliers, juste avant de se faire anoblir par la reine. Et ces mecs-là vont bien qu'ils sont rock'n'roll, qu'ils aillent se faire voir les rock'n'roll, les moitiés, les trois quarts et les autres. Rien à branler, tu comprends? Alors je me dis au fond de moi-même, si c'est ça la révolte, si c'est ça être révolté sur scène, et ben je suis bien sur ma pelouse. Puis c'est rare les chanteurs de pelouse. Et puis quand je chante dans un chiotte, je suis un chanteur de chiotte, tu vois, je veux dire, tout est relatif, l'endroit où on chante, c'est l'endroit où on est, c'est l'endroit où c'est où on passe, on peut être certain, genre chanteur de jardin, je veux dire. Alors vas-y, je suis contente de présenter Knux et Knox à un ami de Clermont-Ferrand. Ces petits amis, ils suivent toutes nos luttes et particulièrement celle de Notre-Dame-des-Landes. Et si le béton est ton avenir, dis-moi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un repas de terre, une tige de roseau servira la croissance de tes mamans, servira la croissance de tes mamans. C'est le livre de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de l'animal, du monde animal. Le bien fort rustique par le vocal. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de l'animal, du monde animal. Crie le bien fort rustique par le vocal. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de l'animal, du monde animal. Crie le bien fort rustique par le vocal. Plus, c'est l'idée de revenir basque et tout ce que ça peut permettre de questionner derrière qui m'intéresse. Justement, toute cette remise en cause de l'emploi, du travail, de la liberté de créer. C'est de faire la différence entre ce qui relève du privé et ce qui est public. Moi, j'ai toujours une définition très simple. À partir du moment où c'est mis sur Internet, c'est publié. C'est un mot que je trouve très intéressant. C'est publié. Quand un gamin écrit sur sa page Facebook, et je me suis dit non, parce que voilà, le second degré c'est très compliqué à manier. Alors je l'ai fait une fois vraiment, et cette histoire elle existe parce qu'il y a un article du Huffington Post qui le raconte, c'est que ça m'avait tellement gonflé, cette histoire du Chili, que j'ai fait croire que mon entourage avait décidé de reprendre la main sur mon compte, et avait créé, donc j'ai nommé la il y a un article, hein, la personne qui était en charge d'avoir, de faire les tweets, et je me suis mis à faire des tweets hyper chiants, genre ministre, quoi. Et en disant qu'elle s'appelait Eliette. Et je me dis, je suis sûre qu'avant la fin de la journée, il va y avoir un article pour dire « Duflo s'est fait reprendre en main sa communication et elle a maintenant une personne qui tweet à sa place. » Et donc je me suis dit, combien de temps ça va durer? Et ça a marché. Avant le milieu de l'après-midi, il y avait un article sur le Huffington Post qui racontait très sérieusement que j'avais franchi les bornes de l'acceptable avec le Chili, en conséquence de quoi Eliette avait repris la communication et tweetait à ma place des trucs d'ailleurs très chiants avec l'illustration des tweets. Et à la fin de la journée, j'ai dit « Eliette, c'est moi ». Et que je vous ai bien eu, et que la preuve que si on ne fait pas les choses sérieusement, sur la base de 5 tweets ou 6 tweets envoyés par mois pour me foutre de leur gueule, ils ont fait un article. Donc c'est vrai que pour le coup, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que c'est... tant pis, tant mieux, je ne sais pas, mais ça existe. Donc on est obligé de faire avec. Donc forcément, il faut se brider un peu. Mais c'est pas trop difficile. La seule conséquence que ça, c'est que je crois, pour vous dire, puisque Sandra aime les chiffres exacts, dans mon dossier brouillon, il y a actuellement 65 tweets que je n'ai pas envoyés. Je les écris, il y en a des fois, je me dis, ah, putain, il est trop bon celui-là, mais je l'envoie pas. Voilà. Donc il n'y a que la DCRI qui les a. Et... je répète qu'il faut l'acheter.
autre question. Fonctionnement des écosystèmes, l'agroécologie est peut-être une discipline scientifique tant d'expliquer la complexité, le fonctionnement de ce qui est le réel objet de travail des agriculteurs, l'agroécosystème. Une première des choses, ce serait de considérer que l'objet de travail de l'agriculteur, ce n'est pas le troupeau, ce n'est pas la parcelle, ce n'est pas la plante, ce n'est pas le sol, c'est à chaque fois quelque chose d'assez complexe, un écosystème aménagé par les agriculteurs et qui n'a donc rien de fondamentalement naturel, un bocal de breton, c'est une création humaine. Une rizière dans le delta du fleuve rouge, c'est totalement une création humaine. Et déjà, savoir que dans l'histoire des sociétés, les paysans, les agriculteurs ont été capables d'aménager les écosystèmes de façon durable pour nourrir une population croissante, et qu'il y a donc déjà eu des quantités de progrès, donc on peut d'ailleurs s'inspirer, produits de l'agriculture paysanne, les plantes ne sont pas d'emblée, les paysans ne sont surtout pas d'emblée des destructeurs des écosystèmes, ils peuvent en aménager, ils peuvent y compris créer de la biodiversité et autres. Ça, je pense que ça va être un problème dont on pourrait débattre. Alors, excusez-moi. L'échec des politiques d'emploi. Aujourd'hui, le taux de chômage est le plus élevé depuis 1947. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de chômage. Le dernier pic, c'était en 93. Et donc là, il y a 2 mois, donc, on a battu le record du taux de chômage officiel. Donc ça, c'est le premier constat d'échec. Deuxième constat d'échec, c'est l'explosion de l'ensemble des catégories de chômage. Le taux de chômage officiel qu'on vous donne aujourd'hui, donc à 10 et quelques poussières, ça ne considère qu'une partie des chômeurs. En fait, il existe 5 catégories de chômeurs, et donc on passe de 3 millions à plus de 5,6 millions si on prend en compte l'ensemble des types de chômage. Alors qu'est-ce que ça signifie donc cette augmentation des catégories de chômage? Ça explique en fait un autre élément, c'est la question de la précarité, de l'augmentation de la précarité. Alors moi je ne suis pas le même chiffre que toi, j'ai vérifié, j'étais assez surpris. Moi sur l'emploi temporaire, c'est la même définition, on est passé donc de 10,6% en 90 à 15,2% en 90. C'est encore pire. Donc c'est encore pire par rapport à des chiffres, et je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être c'est la question du temps partiel. Et l'autre élément aussi... C'est devenu national chez les écolos. C'est bien oui, c'est chez les écolos, mais tout pas touché, vous posez la question à vos voisins, à vos voisins. Vous voyez, rien que le fait de labourer, vous exposez le sol au soleil, vous minéralisez par les bactéries et vous perdez votre matière organique. Donc le labour est un instrument de destruction massive des sols. Les engrais chimiques détruisent les sols parce qu'ils brûlent aussi la matière organique en favorisant les bactéries. Et ce que nous observons dans notre laboratoire, c'est la disparition des champignons dans les sols agricoles. Les champignons ont disparu, il n'y a plus. Moi je me souviens, gamin, chez mon grand-père qui était agriculteur, il y avait des champignons plein les prairies. On allait ramasser les rosées des prés, vous en trouvez plus du tout. Les champignons ont disparu de l'agriculture parce qu'on a mis trop d'azote. On a trop labouré, et l'irrigation fait la même chose, l'irrigation minéralise aussi la matière organique. Ce qui fait qu'un pays comme la France, entre 1950 et maintenant, est passé de 4% de matière organique à moins de 2%. Normalement, dans les débats sur le revenu de base, il s'agit tout d'abord de rompre avec les vieux schémas de pensée, avec cette idéologie par exemple. Seul celui qui a ou qui cherche un emploi a le droit de manger. Il faut en finir avec cette idée fausse. Attention, on est revenu en logique descendante. Par exemple, ce nouvel indicateur de richesse. Mais nom d'un chien, ça deviendra ce qu'on en fait. Si ça ne devient rien, eh bien on emportera tous la responsabilité. Donc s'il y a des idées géniales qui sortent et qu'on n'en a rien fait, si les élus avaient posé la question et s'étaient engagés à, ok, on pourrait leur dire, maintenant gérer la frustration. Quoique, est-ce qu'en face on est obligé de dire, ok, vous avez dit que vous ferez, mais nous on peut aussi vous dire ce qu'on fera. Voilà. Et puis si les élus font pas, ça donc on ferait pas. Terreno de vasa, loquinte, départager en commune et différité.
être dans un endroit dont on ne serait plus expulsable, mais conventionné. Si on doit être séparé en différents groupes ailleurs, on est d'accord. Si, dacă cineva face prostii, et celui qui fait des conneries, eh ben, c'est le, la, voilà, l'expulsion ou la prison. Ou la prison, c'est voilà, non, mais et voilà, et comme... Et on pense que la monnaie c'est ça, mais tout ça c'est notre masse monétaire, et les pièces et les billets c'est vraiment juste la petite face visible de l'iceberg. De toute cette masse monétaire, comment elle est utilisée? On va prendre une petite métaphore. Alors pour 2%, c'est l'économie réelle. Donc probablement l'ensemble des métiers que nous faisons ici, c'est-à-dire quand on va faire du pain, quand on va faire un pull, quand on va faire un transport en commun, quand on va faire, je ne sais pas, une gare, tout ce qu'on construit, qui est visible, qui se vend, qui s'achète et qui est